Alors, salon de la culture tibétaine, excusez-moi, ça a pour moi toute cette résonance et bien d'autres. Ça a une résonance particulière parce que ça a été évoqué. Cette semaine, le président de la République française s'est rendu en Chine. Il y allait d'abord en VRP de l'économie française. Comme je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai répété avec d'autres, il n'y a pas de honte à faire du commerce avec la Chine ou avec d'autres pays. Mais cette diplomatie commerciale ne doit pas se délester, ne doit pas faire glisser sous le tapis une autre réalité, qui est une réalité fondamentale, je dirais, de la façon dont la France se pose dans le monde depuis des siècles, c'est celle de la question des droits humains, des libertés civiles et de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, on s'est organisé avec le groupe Tibet du Sénat, le groupe Tibet également de l'Assemblée nationale, avec d'autres parlementaires écologistes et des parlementaires socialistes qui ne sont pas d'accord pour une vision trop réelle politique des relations qu'on doit avoir avec la Chine, avec les ONG, avec les associations tibétaines, pour porter cette question. Oui, le président de la République doit parler des droits de l'homme, doit parler de la question tibétaine, doit parler de la question ouïghour au président chinois et aux autorités chinoises. Alors, le résultat, c'est mieux que pire, mais c'est pas terrible non plus. Moi, je le dis honnêtement, je fais partie de cette majorité. Honnêtement, on me dit, le président en a parlé. Il dit, j'en ai parlé. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'espère qu'il ne faudra pas attendre l'ouverture officielle des archives publiques dans 50 ans pour savoir ce qui s'est dit. Une semaine avant de se rendre en Chine, les responsables diplomatiques de l'Élysée ont rencontré des responsables d'organisations non gouvernementales et des représentants des associations tibétaines. Ces associations leur ont remis, à la demande des autorités, une centaine de noms de prisonniers politiques, de gens bien identifiés pour lesquels on demandait au président d'intervenir. Alors je crois que la semaine prochaine, il y a une réunion bilan qui aura lieu à l'Élysée. Donc on jugera sur pièce, on verra si les dossiers ont été présentés, s'ils ont étudié et si des choses ont été obtenues. Voilà, il faut avoir cette exigence, il faut avoir cette rigueur et on ne lâchera rien. On ne lâchera rien parce que le commerce, c'est une chose, la réalité, la liberté des peuples, l'oppression partout dans le monde est une oppression qu'on nous fait à nous tous. Et ça, il est impossible, on va me dire, c'est un discours de parlementaire, c'est pas un discours de responsable de l'exécutif. Ben justement, je suis un parlementaire et je pense qu'on doit créer une diplomatie parlementaire qui ait le courage de dire les choses aux dirigeants. Je sais, quand on est au pouvoir, c'est difficile, c'est compliqué. Mais si nous, qui sommes les représentants de la nation, nous ne sommes pas capables d'interpeller et de peser sur les dirigeants nationaux, ça ne sert pas vraiment de se revendiquer comme grande patrie, phare des droits de l'homme, phare des libertés des peuples. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, c'est un discours un peu sérieux, mais j'en reviens à la culture. Je pense qu'on ne construit pas un monde, une société sans culture. Et que, un pays, une réalité, un peuple comme le Tibet, qui n'a plus droit réellement à son pays, s'il continue aujourd'hui, s'il est si vif, s'il est si efficace dans sa façon de peser au niveau mondial, c'est bien sûr à travers les Tibétains eux-mêmes qui vivent en Chine, à travers les Tibétains de la diaspora, et aussi parce que ces gens-là
porte une culture millénaire, une culture séculaire, très riche, mais une culture aussi qui sait s'enrichir de la réalité de ses rencontres avec ses autres peuples. Et à ce titre-là, faire une journée, un salon de la culture tibétaine en France, à Paris, c'est important parce que ça nous permet de dialoguer, de comprendre, d'évoluer et de travailler ensemble parce que les droits des uns ne sont pas que les droits des uns, ce sont les droits de nous tous. Donc je vous souhaite un excellent salon. Merci. Et je te remercie encore. Et puis maintenant, je passe la parole à monsieur le représentant. Il va parler en tibétain et j'essaie de traduire en français. Aujourd'hui, j'ai pu me libérer pour venir au salon de la culture tibétaine organisé par la communauté tibétaine. Donc je voudrais dans un premier temps à saluer monsieur le sénateur André Gatelon, aussi à l'ensemble du public et dire un bonjour. Je suis un peu plus de temps. En fait, comme cela a été indiqué lors de l'intervention précédente, le fait d'organiser un salon de la culture tibétaine en France, d'une part, ça sert à l'ensemble des Tibétains qui vivent en France. Ce n'est pas comme dans la même condition qu'en Inde, tandis qu'en Inde, vous avez une colonie de réfugiés où il y a une communauté qui est bien installée, il y a des structures, on peut vraiment vivre l'identité au quotidien, l'identité culturelle du Tibet, les valeurs de culture tibétaine au quotidien. Tandis que les Tibétains qui sont partis de nouvelles vagues des immigrés en Occident, notamment en France, il n'y a pas un endroit fixe, il n'y a pas une communauté qui est concentrée dans une certaine zone géographique déterminée. Donc, le fait de créer une occasion de la salon de culture, justement, d'une part, aussi rappeler aux Tibétains les valeurs que leur culture prêche, aussi de se sentir tibétain, aussi tout l'ensemble des amis français et d'autres Européens qui se sentent concernés, qui s'intéressent à la culture tibétaine depuis des décennies. Donc ça sera, c'est toujours le salon de culture, serve à une occasion de rencontre, une occasion de débat, une occasion d'échange et de se comprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment une salut pour à la communauté d'avoir organisé ce salon de la culture tibétaine. Donc, monsieur le représentant aussi pense que durant ces 12 journées de rencontres au salon de la culture tibétaine, à l'ensemble des amis français, pour vous, certains d'entre vous qui viennent pour la première fois à découvrir les différents aspects de la culture tibétaine, aussi découvrir les différents produits artisanaux tibétains, aussi, aussi comprendre les valeurs véhiculées par l'enseignement bouddhiste, donc comme il y a 12 enseignements, aussi il y a des spectacles pendant 12 journées, et donc ça va vous servir vraiment à forger une idée, une relation avec la communauté tibétaine. Ensuite aussi, sans oublier le contexte politique au Tibet, il y a une série de documentaires qui vous a proposé
Donc ça aussi raconte la dure vérité sur l'occupation tibétaine qui est en train de subir sur l'occupation chinoise. Donc c'est vraiment un événement qui comporte une multitude de façades. En même temps, vous pouvez avoir une idée, une occasion de créer une relation d'amitié avec les Tibétains. And the number of Manguji, the Puri Tobe, the festivals, you were sold out in the pair to the Chichena Manguji Ding and the Jungle Rush in Java, and the Manguji Pepe, the Hung the Tuna Nanya, Yam Manguji Pepe, Gange, the Dutu Tol, the Tunse, Yam Jenaya, Ganda Chan to Miku, and the Chichi said to the pair of sons out, the getting on to the number two, Tanda Patu, Macharo, number, Tunju number, Mong Baline, Gandu Pepe, Netanti. And if you in the same to me, you have a linky to Roran, then the same Casole and the Petiniki, Cheva Chabuligu, and the number to take on my pet to the young and some of the churches. Et sa santé, certes, vous voit venir à ce salon de culture tibétain, mais aussi il suppose que vous avez un parcours avec le Tibet, peut-être certains d'entre vous. Vous avez déjà par le passé eu l'occasion de voir sa santé le Dalai Lama, ou d'autres peut-être ont rencontré un maître tibétain, ou encore d'autres ont manifesté, participé à des manifestations de solidarité avec le peuple tibétain, et puis d'autres tout simplement que ça, par la lecture de l'actualité sur le Tibet, que en tout cas l'ensemble d'entre vous, en tout cas d'une manière ou d'une autre, vous êtes intéressés sur le sort de Tibet. Et puis, sans oublier les engagements de Monsieur le Sénateur en amont de visite du président Monsieur Hollande en Chine. Et donc, il a fait vraiment un travail de fond, à savoir donc poser des questions et puis écrire des articles dans la presse. Et faire parler du Tibet de multiples façons. Et puis aussi, il était question d'avoir une étude d'opinion. Tout ça, c'est un ensemble de circonstances de concordance. J'apprends le français. Comme ça, ça avance. Vous avez compris de toute façon. C'est bien. Et donc, en fait, grâce à son implication vraiment personnelle et citoyenne en tant qu'élu, en tant que sénateur, en tout cas, ça a créé un impact très positif. Donc, représentant en premier, et l'ensemble des Tibétains se sent d'être soutenu, d'être accompagné, et ça nous inspire dans notre combat pour la liberté, pour la reconnaissance de dignité du peuple tibétain. Donc, nous sentons que nous sommes soutenus, nous sommes écoutés, nous sommes entendus. Donc, vous êtes devenu notre source d'inspiration. Aussi, ça nous donne un coup de pouce, si je peux permettre, dans notre un coup d'oxygène dans la détermination. C'est pour ça que représentant voulait vraiment, à titre personnellement, en tant que ça, dans le cadre de sa fonction, en tant que sur le plan humain et personnel, remercier vraiment Monsieur le Sénateur pour tout ce qu'il a fait, et puis à vous, l'ensemble des citoyens qui font un travail de terrain, s'informer, sensibiliser d'une manière ou d'une autre. Grâce à votre soutien de longue haleine, que la cause tibétaine a maintenu en vie. Donc, sans votre soutien, nous ne serons pas à ce stade aujourd'hui. Donc, votre soutien nous est très précieux et représentant vous demande personnellement de poursuivre votre soutien, votre solidarité à l'égard du Tibet, à l'égard du peuple tibétain. Et puis, il vous la remercie. Merci.